Voilà. Bon, là, nous avons du travail pour les élèves. Correct. Nous avons du travail pour le Tchan. Le Tchan, ce travail, tous les élèves ont été. Il a envoyé nous, juin 2015, papier NDN. Et ce pré-release, le Tchan, il travaille, il a envoyé ce devoir. Très, très bien. Surtout, il a envoyé ce screenshot. Excellent. Très bien. On vous corrigez, vous pouvez envoyer ça. Maintenant, après le Tchan, nous trouvons du qui ce travail. Du qui sa présentation, comment nous me dire bien bon. Là-haut, il met ce title, il met ce VBCode, il met ce result. Et là, il envoie tout ce devoir. Là, il déclare ce ban array, il déclare ce ban variable, il déclare ce ban constant. Et il initialise, c'est ça qui est intéressant, il initialise tout ce ban variable. Et il sait travail. Voilà, voilà avec ce screenshot. Et surtout, pour Duki, ce qui est bien, bien intéressant, Duki travaille dans la question de l'examen. Il y a une question de l'examen et sa réponse. Les questions de l'examen, c'est une réponse, Duki travaille dans vraiment. Ça, on a besoin de travail parfait. Ok? Et tous les élèves, tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable. Mais c'est ma majorité, pas de travail parce qu'il tout par risque. Non. Ok? Allez, nous vous guettons un coup, les élèves, on a envoyé un message. Monsieur, mon envoi de voir dans phase D. Pas dans phase N. Allez, nous guettons un coup de phase D, phase N là qui côté, nous suivons là. Et là, là qui phase, mettez là. En phase N, mettez là. Et pour tout. Allez, t'as l'air guettons un coup de phase D là, côté était même un PAD, eh bien. C'est pas grave, nous voyons le rôle là. Allez, il arrive à vraiment ce devoir très très bien. Il arrive à vraiment ce devoir, il a vraiment ce pré-release. Voilà, très bien, modifie le travail. Bien bon. Ok, il a essayé, et sur la question d'examen, très très bien. Il fait, ouais, Duki avec lui, il fait un joli travail. Ok, très très bien. Au moins un travail. Il arrive pour 4 crioli. Duki pour 4 crioli. Et le Tchan, il fait très très bien. Le Tchan, il faut 4. Hein. Bon, on a besoin d'upgrade le zoom là. Zoom même. Allez, on va upgrade. Qui n'est arrivé là? Il va vous laisser nous upgrade là, qui n'est arrivé. In progress. Ce qui nous mène. Ah, il y a encore correct là. Et je vais suivre là. Si tu allais, fini le guide. Bon, on continue. Il a ri correct. Ces trois élèves, normalement, Gopol, il nous a envoyé. Allez, nous allons Gopol sur le travail. Côté de l'Indien. Il nous a envoyé dans phase D. Mais phase D là, côté. Ça, phase N. Phase D. Attends, là-dedans, nous allons écouter. Là-dedans. Là-dedans, personne ne va envoyer moi des voix. Ouais, même dire, mais seulement envoyer moi des voix là-dedans. Pourquoi pas le côté d'envoyer des voix? Sa phase N, sa phase N. Pourquoi pas l'envoyer des voix du côté? Ça est ici. Bon, on ne trouve pas des voix, mais il y a toi, envoyez-moi soit dans sa classe, comme là, qui est ce code. Soit tu envoies moi là-dedans, là-dedans, ça. Soit the paper one, là. T'as mis un coup de citron envoie moi the paper one. Non, là aussi, mon panier. Ok, tu as besoin de liaison, moi, que tu envoies pour mon capable, vous connaissez. Allez, pas grave. Maintenant, nous pouvons faire le travail aujourd'hui. Ok, les restes. Manzele, vous êtes en crier, méritez d'en crier, qui fait de mériter d'en crier, parce qu'ils ont pas fait des voix. Correct? Allez, aujourd'hui, nous vous prenons un autre papier qui est assez intéressant, pour pouvoir voir les autres et nous pousser travailler ensemble. D'accord? Moi, j'ai un papier spécial aujourd'hui pour les autres. Vous êtes un coup. Une minute à les autres. Moi, j'ai un papier juin 20. Juin 2020. Correct? Papier 10. J'espère que beaucoup d'élèves pourraient être intéressés à ce papier-là, mais on peut envoyer tout de suite. Ok, 20-21, je prends 21. Allez. Ça dévoile là, on peut envoyer tout. Comment on envoie tout ça? On envoie tout ça dans WhatsApp, je pense. Ok. Correct. On va envoyer tout ça dans WhatsApp. Pour poser sa vidéo là. Ok, ça va de tout. Allez, nous continuons à expliquer. Là, sa question là, il y en a shops.
un mobile phone shop la PSL mobile phone PSL sim card PSL accessories puis dire nous pouvons avoir Harry pour God catégorie item description avec price et dans VB comment le trouver nous finissons créer catégorie nous finissons créer item nous finissons créer description et nous finissons créer price correct maintenant nous avons rempli puis dire ça va nous donner qui est là dans cette table là nous visons rempli dans nos arrêts. Et nous avons combien d'arrêts? 1, 2, 3, 4 arrêts. Mettons que j'ai assume nous avons 30 items. Nous créons, disons, on appelle ça I. Commencer N à 30. Ok. On a un message de rentrer. Il y a un peu de message de rentrer. 16 items. Ok, si je te dis, je ne peux pas compter, je mets les 16. Je viens de faire les 16. Si je te dis, ça dépend de l'autre. Mais il est bon. Si je dis 16, nous mettons 16. Mais il n'y a pas une faute, ça. Car il y en a plus qui 16 ici. Mais dans sa table, il n'y a pas de 16. Dans sa table, ici, il y a 16. Nous mettons 16. Je suis d'accord. Bon, pour moi, je peux mettre 16. Là, je suis d'accord. Mais moi, pour faire 16, on met 3. Pour moi, un peu vite. Maintenant, à ce tir, qui nous vous fait? Nous vous remplir des tas dans sa main arrêt là. Correct? Voilà. On plie, nous copie ça, nous mettons là. Nous mettons. Voilà. Nous pouvons écrire aller comme ça. Nous pouvons dire console.write. Nous mettons write. Nous pouvons dire enter qui ça fait. Write. Nous pouvons dire enter item category. Enter item category. Correct, mais enter item category. Je suis tout d'accord. Et là, qui ne vous a mis? Je vais mettre console. Il y a input là. Console dot. Alexandre connaît déjà, cause toujours. Read là. Bien bon. Et si nous mettons ça, qui ne vous a mis en dedans? Nous allons bien essayer. Nous vous a mis. C'est la carte avant. I. Parce qu'ici, I li N pour premier item. Si I li D, deuxième item. Correct. Là, nous continuons à copier. Ça, nous finissons faire pour N. Nous pouvons faire pour 2. Et nous pouvons faire pour 4 en tout. Là, le premier là, il est pour catégorie. Déjà, il n'est pas pour catégorie, il est pour item code. Je dis là, il faut item code et là, enter item code. Correct? Item code finit bien valer. Voilà, les item code finit bien valer. Et là, on enter item, troisième là, qu'est-ce que c'est ça? Description. Ok, description. Control X. Enter item description. Correct et item description pour gagner sur valeur là troisième qui est ça price item price control enter item price voilà item price et ici qui nous veut écrire price bon on nettoie pour tout mon mettre propre parce qu'il finit via ça et ça dit voilà. Je veux dire, tout le monde va le faire là, c'est la carte diamant. Nous créons 4 colonnes. Catégorie, item, description avec price. Parce que d'après les questions, on a 4 colonnes. 1, 2, 3 et 4. Et chaque colonne, c'est un arrêt. On crée 4 arrêts. Et chaque arrêt, il a à peu près 16 éléments. 16 éléments. Maintenant, qui m'a besoin de remplir? M'a besoin de remplir catégorie, item code et description avec ce prix. Bon, ça je vous ai rappelé tout à l'heure, vous avez un phone avec ce code, vous allez finir rappel soit réalisé, vous avez sa première là, nous vous remplit là. Item là, ce phone, il y a un phone, il y a un item code, tel affaire, il est compact et ce prix. Correct là? Et ça je vous rappelle là, hein? Je vais vous dire moi. Bon, là, les mon écrit un programme là, moi j'espère que nous avons fini de noter. Les mon écrit un programme là, moi j'ai fini de créer mon colonne. On finit Welcome to Radar Computers. On finit faire l'entrée pour catégorie. Item code finit faire l'entrée. Finit faire l'entrée pour description. Finit faire l'entrée pour prix. Et si moi j'ai envie, output.
si moi j'ai envie à le putli, n'est que tout simplement je vous recopie ça et là je vous pin là, moi je vous mets list of, on met un disons un soldat right, hein, on met list of products, on vient là en haut du plat, le plat, on met list welcome to Vanda Company, on met list of products, list of items, ok, list of items, correct. Et là, moi tu peux mettre item, moi tu peux mettre sous catégorie. Bon, comment ça tu peux parler? Je suis bien comme ça. List of items, tu as envoyé sa catégorie là. J'espère que tu vas enlever comprendre comment on veut refaire. Ctrl X, moi je mets sous catégorie là. Vous pensez là, après on quitte un petit espace. Qui est l'espace là pour moi dire du parcours pour les oli, voilà, sans mot delete, ok, deuxième mot item code, ok, on met item code là, on met un petit espace là oli pour y aller pour du parcours pour les oli, right. Troisième. Bon, moi j'espère que tous les enfants vont comprendre qu'ils nous verront de faire. Ctrl X. On met ça, on quitte un petit espace en ligne. Là. Maintenant, on va prendre un programme là pour les enfants comprendre qui n'est arrivé là. Qui m'ont verront de faire. On remplit moi à l'oeil. Et là, on va tirer un détail à la déroule. Correct. Ctrl X. On met ça là. Et on met une virgule là. Bon, ça dernière là, on va penser. J'ai quand même right line là. Licence la ligne là, elle est finie faire ça. Là, on va pas nécessaire mettre ça détail. On va laisser mettre là. Bon, c'est comme ça. Et ça, mon quartier là, on s'en va bien. Ok, voilà. Allez, maintenant, on va finir le programme. On finit. Allez, bon, bon, c'est l'équipe fait qu'on rentre pas dans ce processus qui n'arrive. On crée ça en arrêt là, veut dire créer ça en colonne là. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Sa colonne là, comment appelle les catégories, ça s'appelle item code, ça s'appelle description. Allez. Et les enfants, là, vous avez rappelé 3 au moins pour moi, ça. Allez, faire un screenshot, Godly, pour vous rappeler. Moi, vous copiez tout exact, exact. Mais, à peu près, vous avez connu qui nous vous fait. Vous remplissez 3 là-dedans. Finitia photo. Allez, c'était demain. Hein. Moi, vous pouvez tout pareil, mais à peu près, vous pouvez venir pareil. Très bien. Vous pouvez demain. Allez, une minute à ce temps. Hein. Là, moi, pour un programme, là, vous allez comprendre. Ici, qui m'avez fait, vous pouvez input data. Là, allez, là. Et ici, qui m'avez fait, vous pouvez out, output la liste. Correct. Allez, nous rendons. Mais avant de rendre, nous allons save. Ok, nous save bien place. Écoute-moi, save ça là. Ouais, nous save là, nous donnons une. Vas-y, avant, je vais te donner. Attends, attends, juin 2000. Non, non, quitte, hein. Juin 2020, hein, non. Juin 2020, hein. Allez, allez. Finissez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, nous avons bien place. Novembre, ça, novembre. Hein, novembre, pour là. Non, juin. Juin, ça. Allez, nous rendons. Vas-y, non. Allez, allez. Allez. Bien bon. Qu'est-ce que nous rendons? Dis, welcome to Radar Computers. Enter catégorie. Allez, première, sur catégorie qui c'est dit. Phone. Allez, phone. Correct. H-O-N-E. Phone. Allez, il y a qui dit, moi, enter. Item code. Qui c'est dit, hein? BPCM. Rédis-moi. BPCM. BPCMN. M. Allez, right. Le description, qui est descend. Compact. Compact. C-O-M-P-A-C-T. Compact. Lut. Price. Vendredi. Allez, right. Ça pour premier item, nous filmer des astères. Des moments déjà mi-thème. Allez, déjà mi-thème. Qui est descend. Phone. Phone. Allez, qui est descend. BPSH. BPSH. Correct là. Le description. Cramshell. Allez, attendez, on avait parlé. Hein, continuez là. Hein, continuez là.
Allez, parfait. Comment elle écrit C? C-L-A-M. C-L-A-M, après? S-H-E-L-L. S-H-E-L. Allez, va. Le prix, combien était? 49,99. 49,99. Le troisième. Pourquoi il faut le même? Phone. Ouais. Item. E-P-S-S. E-P-S-S. Samsung doit pas y aller, c'est une des choses. Allez, le. Robophone. Allez, Bon, on va vous écrire tout, hein. Allez, pour deux gaines l'idée. Allez, prix. 199,99. Bon, pour trois items, nous finissons là. Astelle, vous donnez-nous la liste. Voilà, vous devez. List of items. List of items. C'est moi l'étudiant qui tape l'espace. Le phone, ça se code, ça se compacte, ça. L'espace là pas de mort aussi. Ok, l'espace là pas de mort aussi. L'étudiant qui tape l'espace plus. Mon corps ne pas quitter assez l'espace. Ok? Mais c'est moi qui viens comprendre qui me paraît. Table là, qui m'a paraît. Ok, depuis là, correct la bonne enfant, je vais continuer mon programming. Je ne mets pas d'item là, mais c'est moi, je ne vais pas faire pour tout. Je vais faire 6 pour 3 items. Et en vrai dire, tu faisais faire pour 16 items. Je ne vais pas faire, je vais faire 6 pour 3 pour tester. Parce que sinon, on va le faire pour 16 items, nous pour tester. Si pour 3 items, il va, c'est 16 items. Moi, si c'est un petit erreur, je vais retrouver, ça va être l'espace là, tu faisais un peu plus l'espace entre, ça va être un chiffre pour moi là. Mais l'espace là. Mais l'espace. Bon, ça, c'est le cas de travail là. Mon pensée, le coding là, ce que tu faisais faire. Un peu plus l'espace, me pensez. Ouais, me pensez, tu viens comprendre. Bon, je vais te guetter quand tu as fait tout ce que vous avez là. Hein? Allez. Ça, correct, là. Me pensez, correct. Je vais te guetter. Maintenant, on retourne avec tes choix, là. On retourne avec tes choix. Bon, là, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons approprié data structure to store item. Nous faisons, nous ne faisons pas créer data structure. Qui data structure nous crée pour garder store? Et store item description information price so on going c'est nous servir à array ok for the mobile phones and sim card d'accord qui nous servit array data structure là c'est array on finit créer mais trouver dans mon coding on finit créer array pour garder ce même détail là et je trouve mon mettre détail là dans array là on remplit array là et mon tire mon détail là dans array là pour montrer aux autres qui détail là il va marcher mon explication correcte là hein. Asti esa butlan ou vinde pila la. Allow the customer to choose a specific phone or tablet. Sa kouman pou fè la? Kouman pou client la pou kapal swazi a telefon ki li biza? Swa tablet ki li biza? Kouman pou allow customer la to choose whether the phone will be SIM free or pay as you go? Kouman pou allow the customer to choose standard or deluxe case? Kouman pou fè sa? It allows the customer to choose charger, non ça ça ça. Ok, comment pour faire ça? Calculer the total price. Et là, bon, mon pensée ne faisait commence par N là. Allows the customer to choose a specific phone or tablet. Bon, mon pensée là, tu as besoin, ce qu'il a besoin faire, tu as besoin dire à customer là, enter, ouais, voilà, nous venons là, dire à customer là, enter the item code. Nous disons que ce mot là, allez, right. Enter the item code. Par contre, si vous êtes d'accord, enter the item code. Ça veut dire que le client là, enter item code. Bon, on ne va pas mettre right là. On met right. Et là, ici, nous créons une variable, on appelle ça item. Item. Item to buy. Non, item. Je ne vais pas item. Ok, item nous met sur data type string. Ok. Ok. Allez, suivez-moi bien là qui nous veut autre chose. Et ici, nous vous mettons item là, pour gagner valeur. On va mettre item code. Nous mettons item. Nous disons item code, mais nous ne pouvons pas lire item. Qui fait parce que là où nous finissons de créer item code comme un array. Nous avons carré crédit. Et là, nous mettons console.read là. Mais il y a item qui est valide, mais c'est déjà search. Comment tu peux search? Il y a array là, tu peux search. Tu peux dire for i equal to, là, et nous avons besoin de comprendre, vers le rôde de array là. For i equal to n à combien? Bon, tu supposes qu'il y a 16, comment tu dis 16, 18, 16 maintenant. Voilà. Tu peux checker si tu as trouvé.
if item égal à item code à relation nom, s'il y a un match, on qui nous mettait là I. Si il y a un match, veut dire on trouve, veut dire les opérateurs d'un item, on le redit parce que code. Quand on les trouve, tu peux le redire de qui côté, là, tous les 16, parce qu'il y a 16 items, là, il y a 16 items. Tu peux le redire, c'est sa partie là, ce qu'il peut faire, il peut faire search. Si tu peux le redire, là, tu gagnes un item là. Mais là, tu gagnes un item là. Tu peux le display là, avec tu peux le display sur prix. Mais comment il peut display item là sur prix avec tout ce que j'ai fait, c'est les matchs. Bon, item là, c'est tout le monde qui a fait, là. Ce prix, ce catégorie, tout le travail là. Unique, hein, pour montrer ce. Et item là, c'est tout le monde détail pour paraître. Ok, mais c'est moi, je vais mettre I en dedans. On a dit bon là, I même bon là. Non, pas dit bon là. I même, tu veux jamais. Je vais dire, là, enfants, si nous. Allez, moi expliquer, vous ne allez pas comprendre les cas ma question. Bon, pour dire, ça, qui item te peut envie acheter? Je n'ai pas pour un tel item là. Je prends un item là, je le redis dans 16 places. Je le redis. Ça, item là, si il est égal à item code. Et là, item là, vous parlez de mon écran. Sur tout détail, vous parlez. Sur catégorie, sur item code, vous parlez. Sur description, vous parlez. Sur même sur prix, vous parlez. Tout ça, en détail là, vous parlez dans mon écran. Correct? Et là, moi, vous avez décidé, c'est pas mon passé, dit mon passé. Correct? Maintenant, nous pouvons. C'est fait à ça. Bon, pour aller plus vite, les enfants, je ne pas pour mettre tout mon item sur l'entrée correctement. Je vais faire un peu vite. Allez, nous revenons. Ce qui n'est pas bien, comprendre les dire. Je vais faire une search. Là. Bon, pour aller vite, vous connaissez ce que je vais faire. Je vais mettre item catégorie, je vais mettre P. P pour phone, pour aller vite. Hein. Item code, je vais mettre N. Premier item là, appelle N. Sur description, appelle A. Correct. Sur price, je vais mettre 10 ou plus. Là, déjà item. Déjà item, sur catégorie, je m'appelle les phone même. Et sur item code, je mets D. Et sur description, je m'appelle B. Et sur prix, je mets 20 roupies. Allez, troisième, je m'appelle les phone même. Sur item code, je m'appelle 3. Sur description, je m'appelle C. Et sur price, je mets 30 roupies. Allez, c'est tout une trouvée qui mène à 3 items là. Tous les trois téléphones. Un là sur item code N, deuxième là sur item code D, troisième là sur item code 3. Et un là les 10 roupies, un là les 20 roupies, un là 30 roupies. Allez, vous pouvez enter. Get tout bon détail là, il paraît. La liste de tout bon item, il paraît. Tous les trois phones. Un là sur code N, D, 3. Un là A, B, C, 3 qualités dans sa description et sur prix. Maintenant, vous avez envie de redonner un item. Faites-moi dire, j'ai envie d'acheter item numéro 2. On met D. Est-ce qu'il computer là pour le rôde ça dé là ce bon détail pour donner moi? Est-ce qu'il est pour le rôde? Oui, il est dans le rôde. Il donne moi, il y a une phone, numéro D, sur description B, sur prix 20. Est-ce qu'ils ont bien compris un bout là? Si ils ont bien compris un bout là, je vais dire que vous avez droit. C'est la liste de tout bon item, lui là. Et moi, je choisis 10 téléphone numéro D pour ça. Si ils ont bien compris ça, je vais continuer. Si je n'ai pas bien compris, pas pour qu'on continue. Je veux dire, comprends, je veux dire là, mon crée moi arrêt, là, mon mettre des états d'arrêt là, là, mon tire tout des états d'arrêt là, mon fait la liste là, pour dire mon aller à la liste, je vais donner la liste là, là, mon dis mon qui te passe, je vais la choisir une affaire, et moi, le rôder dans ces affaires là, côté, c'est ce qui m'a fait le rôder là, c'est le match, je vous demande ça, l'affaire là, ça détaille. Maintenant, si je mon là, il n'a pas été encore quelque chose. Qui bien fait d'après ça? Bien répéter. Bien dire, est-ce qu'il y a encore qui se passe? Moi, pour faire un loop là, on fait deux loops until. Allez, si je ne pas comprends ce que je dis, on fait un loop. Et ça loop là, on fait deux loops until. Je veux dire, pour répéter. Qui a fait pour répéter? Ça search là. Suivez ça. Pas facile et difficile. On peut faire un loop. En dans loop là, do loop until, mon père dit, est-ce qu'il te l'a encore qui se voit? Si tu l'as encore qui se voit, moi le redis pour toi. D'accord, mon père le redis. Correct. Il me pose une question. Do you want to buy more items? Si je dis yes. Ok. Alors, je fais aller, je pose une question. Console. Un joli titre, programme ça.
Console the right line. Donc elle demande si vous avez une question. Est-ce qu'il y en a encore qui se passe? Si vous avez oui, vous pouvez répéter. Vous avez encore posé une question. Do you want? Do you want to buy more items? Do you want to buy more items? Correct? Et là, moi, je vais soit dire yes, ouais, je vais dire yes, soit je vais dire no. Mais c'est moi, je vais créer une variable appelée answer. Pas qu'on crée là, on va le créer là. Et answer, je vais gagner une valeur, je vais vous typer. Console read line. Bon, je vais dire, je vais créer cette affaire qui appelle answer là. Je vais là-haut, je vais créer answer. Bon, mon dim. Answer. Bon, on fait answer win char. Qui veut dire char? Answer as char. Char veut dire only one character. Il y a un seul alphabet, soit Y, soit no. Veut dire si answer. Si answer est égal à yes. Veut dire Y. Do you want to buy more? Si je vous dis yes. Les là qui vont arriver. Bon, je n'ai rien à read line. Correct. Si vous dites yes, moi vais acheter encore quelque chose. Vous pouvez dire enter item code. Et là, moi, le gros item là. Et là, vous posez la question, tu n'as pas acheté encore quelque chose. Vous pouvez dire oui. Seulement, il y a une affaire là. Nous avons créer une affaire appelée total price. Total price. C'est-à-dire, vous pouvez faire total parce que vous pouvez connaître combien vous payez. On appelle ça total price. Total price, du coup, double. Je vais dire, on a bien quelque chose. Ce prix, vous avez continuer à ajouter. Si je comprends, vous avez ajouté total, vous avez fait ce prix parce qu'il me prend un item, des items. Total price. Right? Voilà. Ça, total price, là, enfants. Est-ce qu'ils sont d'accord? Moi, total price, commencement, vous avez initialisé 0. Ouais. Bon, c'est tous les enfants connus qui font mon initialisé 0. Vous avez mettre propre. Astel, il y a Stéphane qui chose. Il y a Stéphane qui chose, enfant. Total price, du coup, est égal à total price plus. Plus quoi? Ça prix là? Ça qui t'aime ce prix? Moi, j'ai ajouté là tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont rien compris? Qui fait mon ajout ça? Non, il n'y a pas besoin là. Pensez, tu besoin en dans le coin. Non, là, il y a besoin d'être là. Tu sais penser. Chaque fois qu'il me trouve un item, je vais ajouter le total. Je vais faire que je vais un téléphone, mais là je vais acheter ce cover. Je vais acheter ça. Mais chaque fois que je vais faire ce prix, je vais ajouter le total. Si je vais acheter encore quelque chose, je vais aller, je vais acheter. Mais là, dernier layer, je vais finir sur l'outil, je vais faire un nouveau acheter. Mais là, je vais dire total price, les coûts de temps. Je vais sur l'outil en déroulant. Là, je vais finir acheter tout mon affaire. Et là, je vais écrire total price est égal à ce prix qui m'a gagné. Total price, total cost, c'est pas total price égal à tout ce qui m'a acheté. Il faut gagner sa valeur qui m'a gagné là ici, là, total price. Là. Et je vais finir de tout prix, mon source. Voilà un petit peu. Bon. Tu as code loup, tu l'as pas sur Nova pour dans cela? Code loup, tu l'as là? Oui, là, qui s'y fait ça? Pas sur Nano? Moi, je mettais Y. Attends, do you want to buy? Do you want to buy more items? Ah, ouais, ouais, mon côté n'a pas raison. Do you want to buy more items? Si je m'en ai déjà nous. Ouais, top, top. Ça, top. Ok, bien bon. Ça m'a déjà tapé aussi? Non, Ramdani. Ramdani, bien bon. Ok, si il est nous, il se route. Si il est yes, il peut répéter. Bien bon. Ramdani, bien fait. Ok? Si il est nous, dit pour sorti. Pena encore passé sorti. Mena encore passé. Vous avez répété. Repeat until you know the sorti. Bien bon. Ok, c'est une faute là. Ramdani trouvé très très bien. Bon, pour run programme là, je dis à moi si je peux comprendre. Qui peut arriver. Allez, commencement. Je peux créer mon array. Je vais dire, je peux dire catégorie. Disons, phone ça. Pela veut dire phone. Item code N. Description, disons A. Au tableau appelle A.
Ok, prison disroupie, commencement. Alors, deuxième, j'en fous le même mot verset. Item code D, description B, et prix de 20 roupies. Le troisième item, faut le même mot verset. Item code 3, description C, prix 30 roupies. Allez, parce que la liste n'est pas vraie. Là, les diamants qui t'ont envie d'acheter. Bon, mon diamant envie d'acheter numéro 2. Diamant numéro 2, tu as acheté, oui, bien bon. Est-ce qu'il te l'a encore qui soit acheté? Moi, j'ai dit oui. Moi, il a encore qui soit acheté. Les diamants mettent 2 mois ce code. J'ai acheté numéro 3 acheté. Bon, rappelle bien. Numéro 2, ce prix, c'est 20 roupies. Numéro 3, ce prix, c'est 30 roupies. Je vais dire 20 roupies avec 30 roupies, mon acheté. C'est vraiment 50 roupies. Les diamants, do you want to buy more? Moi, j'ai dit non. On va pas besoin d'acheter encore. Total price, panne donnée. NRR. Si vous êtes de moins 30 plus 20, si vous êtes de moins 50 roupies. Mais les panne données. Bon, qui fait les panne données? Côté réel, là. Bon, NRR, là. Total price, ça, si vous êtes, parfait. Je vais mettre N, là. Ici, qui vous avez dit? N. Ça. Ah ouais, on a oublié. Ça gosse, on en a raison. Si vous avez un sign, on fait une erreur. Mais il y a beaucoup de place, on fait une erreur. Je vais corriger là. Pourquoi là aussi, on fait une erreur. Un sign. À cause de ça, c'est un petit sopan mort, c'était là. Ok, on a oublié le coding, un chicken. Excellent, c'est ça le chun. Oui. Allez, ouais, le chun, il trouve encore faute dans mon coding. Très bien. Il dit bon, je vais commencer à comprendre là. Cette faute là, moi je t'explique quand je l'ai trouvé. Hein. Bah, ce logo, ça va. Non, là, moi, il fait VB là. Oui, tu fais erreur, tu vas le mettre sur le code. Ouais, sur le code, voilà. Et ben, tu es erreur, moi, je fais, on a corrigé là. Hein. Ok. Et là, on a corrigé parce qu'il y a une petite affaire. Moi, tu vois, c'est de rappeler que j'étais à l'espace là qui fait pas de vide bon. Il n'y a pas de remarque qui fait pas de vide bon. Là, c'était le bout de bon, je pense. Ok, ça m'a l'espace là, bah, tu fais moi aussi. Hein. Là, il est bon, là, on pensait. Nous corriger, nous guérir si encore erreur, on le fait. Hein? Non. Mais tu sais, on va comprendre qu'il va me refaire, là. Hein? Allez, nous regretter. Nous regretter. Item, catégorie, disons, mauvaise faune. Faune, mauvaise. Item, code, N. Bon, on va mettre ça pour aller rapide, ça. Hein? Correct. J'appelle A, téléphone, là, sur prix 10 ou 8. Déjà, mauvaise faune. Correct. Et sur item code, non, moi je vais là, je vais remplir la table là, on va dire. Ok, B, sur prix 20 roupies. Et le troisième catégorie, je vais remplir ma table. 3, et description C, et price 30 roupies. Bon, là, moi la liste, qu'est-ce que la liste là, c'est divine bon là. Liste of item, fold, je vais acheter. Il y a 3 cartes de téléphone, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça sur description, ça sur prix. Bon, disons, je vais acheter B. D là c'est quoi? Un phone, ce nom appelle B, 20 roupies. Dis-moi, est-ce qu'il te prend le? Moi j'allais lui prendre encore une affaire. Là, il me demande, mais qui te vous prend? Moi j'allais me passer 3. On a ces 3 là. Dis-moi, est-ce qu'il te prend encore une chose? Moi j'allais non. Moi pour prendre. D'après eux, mon total price, combien de vignes? Moi j'ai deux affaires. Un là, tu fais 20 roupies, un là, tu 30 roupies. Non, regarde là. Vous trouvez là? Un là, 20 roupies, un là, 30 roupies. Total price, je ne vais pas passer encore. Qui lui a dit à moi, d'après eux? Total price, combien vini? 50. 50. Est-ce qu'il a gagné 50? C'est bon là? Il gagne 50, pas gagné. Les enfants, il gagne 50 total price ou ça non? Il gagne. Allez, oui. Allez, je vous avez répondu pour me connaître combien j'ai l'épée, écoutez, papier, écoutez là. Bon, il est bon là, bien bon. Maintenant, le côté coding, je fais un peu de travail, je ne vais pas faire, finir faire tout. Je vais dire, je vais créer mon malarré. Allez là, créer là veut dire de créer une colonne là. Allez, créer là veut dire créer une colonne là. Deuxième affaire, qui m'en fait? Je remplis ma colonne là. Et ça loupe là. C'est vraiment pas rempli tout, je remplis juste 3. En fait, il y a 16 pour remplir. Je vais remplir 16, mais je ne vais pas le perdre temps hein, pour remplir 16. Je remplis 16. Veut dire tout ça, item là, je finis rempli là. Boutique là avant de vendre. Je vais remplir ce database. Je vais remplir tout. Bon, il finit rempli tout. Et là, la liste paraît. La liste paraît. Et là, je peux demander, mais qui te passe? Chaque fois que je vais passer, je vais rentrer dans la liste 16 ans. Et là, on peut ajouter total. Si je vais encore passer, tant que je vais passer, je vais ajouter. Et je vais finir à acheter tout, monsieur Ouchi, de ma total price. Maintenant, on rentre dans la question. La question là, moi, pour compléter, toujours, dis-moi.
je vous viens travailler. Allez, clignez-moi. Vous avez un droit servi Harry, vous avez un droit servi variable, constant identifier, je suis là, vous avez un droit servi. Bon, on continue à causer, vous pensez qu'il est là. Et si tous les élèves finissent à rentrer, nous allons causer. Bon, là, ce qu'il nous fait, nous finit créer le data structure, nous finit mettre bande de data. Ok, si tous les élèves rentrent, nous va pas trop tarder là, car on prend 15 minutes, 10 minutes. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer. Hein. Bon, nous finissons de créer une data structure. Nous finissons de dire téléphone, tablette, sur une filmité. Maintenant, allow the phone customer to choose whether the phone will be SIM. Bon, il y a trois options là-dedans. Là, hein. Allow the customer to choose. Allez, allow the customer to choose a specific phone. Ça n'est pas correct là. Allow the customer to choose whether the phone will be with SIM or free or pay as you go. Je veux dire, là, il y a une question à vous poser. Là. Le budget demande que le client là, sa option. Allez, nous avons un coup de commande pour faire ça. Ok. Bon, là, nous vous demandons le client là, est-ce qu'il est bizarre avec pas bizarre SIM ou ça, il est bizarre avec SIM. Ça, vous là, nous vous faire là, hein? Correct. Alors, la phone customer de l'affaire. Correct, nous vous faire sa partie là. Si tous enfin finir à entrer, correct, nous sommes capables de continuer à causer. Admit. Allez, nous venons là, c'est-à-dire. Admit all. Mais je vais rentrer vers les solutions. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais rentrer vers les solutions. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Et, t'as tout dit qu'il y a un problème, mais chaque fois, pour dire, on va voir, qu'est-ce qu'il fait? Allez, nous continuons. Maintenant, si les enfants n'ont pas le droit d'un téléphone, si vous n'avez pas le droit d'un téléphone, vous avez aidé, est-ce qu'il vous, il a des options? Correct? Qui a le téléphone n'est pas le droit? Ok, je pense que nous finissons gagner, si les enfants ont gagné, nous finissons surpris, divers téléphones. Nous vous avons posé une question. Est-ce qu'il a besoin de téléphone là? Qui a le téléphone de vous? Voilà, là nous posons une question. Nous faisons console de right line. Do you want? Ouais, je pense que vous avez. Il va client là une question là. Do you want a phone? Client là, choose whether the phone will be SIM free or pay as you go. Il y a des options. Alright, nous avons demandé ça des options là. Do you want SIM free or là? Pay as you go. Il y a deux options là. Je vous l'avertis. Do you want SIM free or pay as you go? Il y a deux options. Correct. Allez, mais vous pensez là, tu disais. Do you want SIM free or pay as you go? Vous pensez, do you want SIM free or pay as you go? Là, je vous l'avertis. Typé. Vous pensez, je vous dis, do you want? Do you want? Vous mettez number one for SIM free. And SIM free. Mettez-le. Maintenant, on pense que tu as une option. Number one for SIM free.
number 2 pour pH du coup. Bon, là on va penser si nous faisons aller comme ça. Là, number 2 pH du coup. Je pense là. Il y en a des options de news là. Il y a des options. Voilà, des options. Et là, nous demandons choose. Choose one or two. Choose number one or two. Voilà. Et on a gagné trois choix. Il t'a choisi en salut. Là. Et là, sim. On pensait sim, nous devons créer une variable, c'est pas sim. Sim. Alstream. Ok, c'est la livine là. La bougaine va aller. Un soldat de l'idée. Mais c'est pas si il est pour 1 ou 2. Là, ici, il n'y a pas beaucoup de string identique. Donc, si la bougaine va aller, soit 1 ou 2. Dépend du moulin qui peut rouler. Il peut aller si on free ou pH du coup. Donc, c'est une question d'une poésie. Du moulin pour faire l'entrée. Maintenant, on finit de répondre ça là. Choose whether the phone will be SIM free or PR as you go. Look, allow the customer to choose standard or deluxe. Ça aussi, vous choisirez là. Vous pensez là aussi, l'objet d'un client là, option. Correct. Vous mettez le numéro 1 pour standard. Standard. Numéro 2 de métier deluxe. Correct, là, choose one or two. Et là, tu mets le lit de standard and value. Correct, et là-haut, tu veux créer standard. Ok, bon, on va une variable qui nous veut besoin. On crée, voilà. SIM, il est capable SIM free, soit il est capable PA Zubo. Et il est capable standard ou deluxe, il pourrait être valé. On arrive là. Allow the customer to choose a charger. The charger is required. None, one, or both. To positive. Two chargers. None, one, or both. Il y a trois options. Hein. One or both. Correct. Nous venons là, pensez ici, nous vous posons une question. Numéro 1, no charger. No charger. Qui tient là? No charger. One charger or both. Charger, one charger et numéro 3, il y a encore une option. Dans ce cas-là, il y a trois options. Bouf, il y a trois bouf. Et là, il faut choisir number 1, number 2 ou number 3. Et ici, le câble est chargé. Et là, tu as besoin de créer charge. Tu as besoin de créer charge. Voilà. Bon, là, tu as fini de créer le SIM. Qui a des SIM, le besoin de standard, charger, il y a trois options.
retourne avec ta question dans fini fait total price mon fini. I'll put list of item purchase and total price. Ok. On a liste des tout bon item qui est dans stage mon là avec ce total price. Vous apparaît. On va dire ça ici. Bon, comment vous faites ça? Et du moins là, perste item. Chaque item qui est perste, soit item code, tu peux garder là. Ok. List of items et total price. Bon. On pense list of items. Voilà. Bon, on est arrivé là, mais nous avons modifié les skins. Donc, alors, j'ai dit, on arrive presque à la fin de sa classe là. Bon, on finit avec task 1. Mais ici, ce qu'il y en a pour faire là-dedans, c'est list of all items qui vous en a acheté avec ce total price vous apparaît. Right, mon essai travaille dans task 1. Et je vous ai envoyé moi ça. Et je t'essaye task 2 et task 3. Et semaine prochaine, le bouquet de ça. Au moins, c'est ma question. Voilà. Bon, mon vidéo, il arrive à la fin. On va pas compléter tout. Il y a encore ce que vous allez faire. Et mon stop vidéo là. Si j'ai une question, je dis. Voilà. Vidéo là pas complète, bien amélioré. Il y a une first draft. Il y a une first draft et il est pas mal. Et je continue à papier là. Et je vous ai envoyé moi lit. Et il y a sur question d'examen aussi, nous vous discutez. Il est pas mal, mais bien amélioré là. Ok. Maintenant, si il y a une question, les gars, pose-moi. Vous pouvez stop sa vidéo là. 45 minutes, même faire sa vidéo là. Vous pouvez stop.